Après le champ de la lumière, ou d'un autre champ, de tout autre champ d'entrée, pendant lequel le célébrant et tous ceux qui l'aident s'approchent vers l'autel en procession, le célébrant s'arrête devant l'autel et chante, soit en langue syriaque, soit en langue arabe, les paroles que voici. البيت خاله عيلات وقدم بمديل خسردات ملكوش ما يونو حاسولي خلاح تيتلوخ Et l'assemblée répond ملكوش ما يونو حاسولا خلاح طينان لوخ En langue française, cela veut dire « J'entre en ta maison, Seigneur, et devant ton trône je me prosterne, roi céleste, pardonne tous les péchés que nous avons commis contre toi. » Et vous remarquez que là, vous avez la phonétique quand le prêtre chante en langue syriaque. Et puis, l'assemblée répond « Roi céleste, pardonne tous les péchés que nous avons commis contre toi. » « Dakhaltu baytaka ya Allah » وفي هيكلك سجدت فيا ملك المجد اغفر لي ما خطئت به إليك Et l'assemblée répond dans cette colonne en arabe يا ملك المجد اغفر لنا ما خطئنا به إليك Une petite remarque, il est très rare que cette partie de la messe soit dite en langue arabe. Souvent, les célébrants chantent en langue syriaque et l'assemblée répond en langue syriaque.